Jacqueline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo vlog à l'ancienne. J'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à commenter, à liker, à me donner de la force. C'est une vidéo où je vais vous emmener avec moi en ressourcerie. Voilà, vous savez que j'adore chiner. Et je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais vous emmener. Donc, j'y vais avec une copine qui va pas tarder à venir me chercher. Je vais faire un petit aller-retour parce que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Voilà, mais j'avais des meubles à déposer. Donc, je vais vous montrer ce que je donne. Alors, la ressourcerie, oui, pour celles et ceux qui connaissent pas. Donc, c'est comme une brocante où on peut chiner des objets à moindre coût. Et ça a un aspect que j'aime beaucoup qui est donc, qui soutient, qui est social. Donc, déjà, des personnes y travaillent, des personnes qui sont en réinsertion. Donc, il y a aussi des bénévoles. Et l'argent, enfin, ce qu'on achète, les sous sont reversés pour soutenir des associations, des pays en difficulté comme l'Ukraine. Voilà, là, je pense qu'il y aura sûrement quelque chose pour soutenir le Maroc. Donc, j'aime beaucoup, puis j'adore chiner. Et c'est le cosy aussi, quand on a des choses à donner, de donner une seconde vie. Donc, c'est un petit côté écolo et j'aime bien. C'est parti, mais avant ça, je vais quand même te montrer ma tenue du jour. Je vais te montrer face à un miroir quand même que tu vois un peu plus clair. Et tu vas voir ce que je vais aller donner à la ressourcerie. Tenue du jour, on est sur une robe mango. Il fait encore bon au mois de septembre. Et je l'ajuste avec cette ceinture que j'ai achetée chez CA. Je trouve que ça va bien ensemble. Alors, dernière petite chose que j'ai pas chinée, mais qu'une copine a récupérée pour moi. C'est cet été, j'étais pas dispo pour la récupérer. C'était un échange, tu sais, entre voisins. Et j'adore Audrey Hepburn, donc je verrai où est-ce que je vais l'afficher. J'ai toujours voulu avoir un petit tableau comme ça, mais je me suis toujours dit, ben un jour, voilà, je voulais pas acheter ça neuf parce qu'il y en a plein sur le bon coin. Et donc du coup, je l'ai eu gratuitement, donc trop cool. Je pense que si tu connais mon petit coin moi, ça va venir soit ici, soit là, mais là, toi j'ai un truc à... Voilà, j'ai un petit trou là. Je ne sais pas si tu vois, camouflé. Mais là, comme il y a ça là, je pense que je vais mettre ce tableau-là. Et j'attends que mon mec me fasse les trous. Donc, lui, il va aller là. Et Audrey Hepburn, elle va soit aller là, soit aller dans ce coin-là. On verra. Tiens, il y a Alice qui nous fait un petit coucou. Alors, je vous montre ce que je vais donner à la ressourcerie. J'ai commencé par ce meuble qui m'a été offert à Noël. Il est joli, hein, à ne pas cracher dessus. Il était tout branlant, il manquait des vis lorsque je l'ai eu à Noël. Mon chéri, il a tout, voilà. Ça fait 2 ans que je l'ai et honnêtement, ça fait 2 ans que je l'aime pas, pour être transparente avec vous. Parce que c'est vintage, mais c'est pas du tout... Là, ça prend de la place, même si j'ai de l'espace. J'ai absolument pas envie d'encombrer mon espace. Je veux choisir mes meubles. Et on y met voilà, des élastiques, des trucs comme ça. Mais ça prend de la place pour ranger des élastiques et des barrettes. C'est trop envahissant. Et honnêtement, même si c'est joli, tu vois, ça fait 2 ans que je me dis bon. Puis là, je me suis dit, vas-y, je le donne. Et comme ça, il sera revendu à la ressourcerie. Et ça fait une bonne action. Tant qu'à faire. Alors, j'ai essayé de le donner à mes copines, mais il n'y a personne qui en a voulu. Mais tout le monde m'a dit, c'est joli. Hein. Il est joli, ça c'est sûr. Et puis là, en plus, je l'ai ciré et il est tout beau. Je continue avec ce truc-là. Donc, je l'avais... prêté à mon papa pour qu'il fasse un pédalier, je sais pas si vous voyez, pour qu'il fasse un petit peu de sport parce qu'il est âgé et pour son bien-être, mais il s'en est pas servi. Du coup, je l'ai prêté à une pote qui voulait essayer. Elle l'a gardé un petit peu, oui doudou, et elle s'en sert plus donc. Enfin, je sais même pas si elle s'en est servie. Du coup, elle me l'a refourgué et vas-y, il part aussi à la ressourcerie. Voilà. Bon, y va nous. Petit doudou, hein? Et moi, je fais mes séances de magnétisme, je dis. Je vous emmène avec moi dans la ressourcerie. Donc, vous voyez, il y a plein de meubles. Je vous montre les trucs que je trouve jolis. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on mélange aussi bien l'ancien que le moderne. C'est hyper abordable. Alors, ce petit canapé, il est trop mignon. 60 euros. Ça peut vraiment rendre très, très bien dans un salon. Cette table, elle est partie d'ailleurs quand j'y étais. Trop bon. Le blanc, j'aime pas du tout la peinture, mais sa plaque en marbre est très très chouette. Ça, ce coffre avec ma pote, on a flashé dessus. Donc, c'est un gros coffre, je pense, à grains. Et il a des tiroirs. Et il était pareil, vraiment à mini prix.
60 euros, regarde-moi ce meuble. T'as quoi dans les boutiques qu'on connaît de meubles à ce prix-là? Rien du tout. Et là, on a des vrais beaux meubles en vrai bois, pas entre contreplaqué. Cette petite table en formica, 15 euros, super chouette. Et ce meuble, alors faut aimer, hein, il est dans son jus, mais moi, je le trouve très, très, très mignon. Il faut mélanger le moderne et l'ancien. Et ça, c'est un côté art déco. Elle m'a plu, mais je ne l'ai pas prise parce que je ne saurais pas où la mettre. Et on était à 15 euros. Franchement, voilà. On rentre et je te montre du coup ce que je me suis acheté. Alors, je vous montre mes petites pépites. Il n'y avait pas beaucoup de choses, hein, honnêtement. Mais j'ai quand même trouvé un puzzle de loup avec des yeux verrons. Il est trop chou. Il est kitsch, hein, mais il est chou. Et en plus, regarde, il brille dans la nuit. Glow in the dark. Trop cool, hein? Je l'ai eu à 1 euro. Je continue avec ce jeu. Je ne sais pas si vous le connaissez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Il s'agit de Damioniac. Alors, je l'avais déjà acheté. Ma petite poulette a perdu... Enfin, une de mes petites poulettes a perdu une carte. Du coup, elles vont être trop contentes parce qu'elles adorent ce jeu. C'est un jeu très sympa où, en gros, il faut faire des châteaux. Attends, je te dis des bêtises ou pas? Aventureuse prudente, gna gna gna, sa stratégie pour construire son château. C'est bien ça. Et avant que la sorcière jette un mauvais sort. Et elles adorent ce jeu. Et on a perdu une carte. Alors, elles arrivaient quand même à jouer avec une carte en moins. Mais là, elles vont être joie. Alors, pour le jardin, même si c'est terminé l'été, une petite lanterne que j'ai payée 1 euro. Franchement, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. Elle est trop chou. Hein? En verre et en métal. Elle est bien finie. Donc, 1, 2, 3. Et j'ai trouvé une veste. Alors, attends, faut que je te la montre. En laine. Voilà. Hop là. De chez Ventilo. Alors, Ventilo, c'est une marque qui est très quali. Qui est très jolie. Et donc, cette veste, elle valait 10 euros. Elle est en laine. Voilà. 100%. Il y avait la jupe qui allait avec, mais la jupe ne m'allait pas, comment te dire. C'était un peu moulant. Elle est belle, hein? Moi, je la trouve très jolie. Elle est en parfait état. Elle est très jolie. Alors, la jupe, je regrette, hein, au fond de moi, de ne pas l'avoir prise, mais je ne l'aurais pas portée. C'est ma pote qui m'a dit, Claire, tu ne l'aurais pas portée. Donc, je pense qu'elle a raison. Elle est trop belle. Avec un jean, avec un short. Non, elle est très mignonne. Ravie de mon achat. Et la voilà portée. Elle est vraiment super jolie. Coucou. Bon, bah voilà, fin de cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. N'hésite pas à commenter, à liker. Dis-moi ce que tu as préféré dans mes emplettes. C'était une tranche de vie. C'était une vidéo, comme j'aime faire à la bonne franquette. Retrouve-moi ici sur ma chaîne En Cabinet Copine. En Cabinet Copine, c'est moi. Mais aussi Insta au quotidien et le blog. D'ici là, prends soin de toi et je t'envoie plein de bonnes ondes. Tchuss et merci pour ta fidélité. Et si tu as passé un bon moment, faut liker pour me donner de la force. Salut !